Bah, moi, ce que j'ai retenu de cette journée, c'est que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et que on vit dans un monde qui est en constante évolution, avec des enjeux qui sont toujours plus forts et toujours plus nombreux. Et que finalement, cette démarche Bouvineuve, c'est une méthode, c'est un outil qui vous est destiné pour, bah, pour vous accompagner et vous aider à relever tous ces défis qui sont les vôtres au quotidien. Et qui, pour moi, j'ai retenu quelques maîtres mots de cette journée. La participation dont on a beaucoup parlé cet après-midi, mais c'est un mot que j'avais noté déjà ce matin. Le collectif, du coup, l'interdisciplinarité. Et pour moi, tout ça, c'est les bases, finalement, pour pouvoir construire une démarche qui rende fiers les gens qui ont participé, les salariés, les entreprises. Et c'est finalement une démarche qui va au-delà de juste un projet de rénovation, un projet de construction, mais qui permet finalement de contribuer à l'attractivité un peu des métiers, de ces métiers-là. Et finalement, bah moi j'ai vu cette journée et ce projet que j'avais jamais regardé comme ça jusqu'avant, mais plutôt comme une démarche vraiment de responsabilité sociétale des entreprises appliquée, concret, dans un monde concret et réel. Et voilà, je trouve que c'est un très beau projet. Merci à tout le monde, parce que vous êtes très nombreux, donc merci d'avoir tous participé et j'espère que vous pourrez mobiliser ce beau projet dans les vôtres ensuite derrière. Très bien, alors moi, en complément, mais après j'ai toute la liste des remerciements qu'il faut aussi dire. Bon, c'est sûr que ce que je sens, c'est que aussi, vous êtes là aussi parce que vous avez participé à quelque chose, en tout cas ceux qui se sont impliqués dans le projet, on ressort transformé en fait quand on a travaillé un projet de conception ou on a discuté du travail, on ressort enrichi, on ressort avec une nouvelle capacité d'agir qu'on peut réinvestir en fait dans le travail. Et ça c'est fondamental parce que ça vous servira tout au long du parcours professionnel, que ce soit vous vraiment opérateur de ces centres de rassemblement ou que ce soit les personnes aussi qui vous accompagnent, qui vous ont accompagné. Et je pense que c'est ça aussi le travail, c'est de pouvoir se développer, développer ses capacités, ses compétences dans le travail. Ça me paraît hyper important. Et plus on parle du travail, justement, plus on est en capacité après, justement, de s'investir et de s'investir dans ce qu'on fait et puis d'y croire. Et comme tu dis, avec des défis très importants à relever pour le monde agricole. Ce que je relève aussi, c'est que merci aux entreprises d'avoir libéré le temps de construire ces projets, le temps de se mettre autour de la table, le temps de débattre, le temps des salariés aussi. Voilà, on sait bien qu'on est tous dans des systèmes très pressés économiquement. Et ça, c'est fondamental et ça questionne le management, ça questionne l'organisation. Et voilà, merci à tous parce que c'est pas rien en fait de se mettre au travail, sachant qu'on sait que les trajectoires, elles sont sinueuses, elles sont pas linéaires. Qu'on se projette peut-être pour un an, puis ça va durer peut-être un an et demi ou deux ans, et puis il va y avoir des obstacles qu'il va falloir dépasser ensemble et tenir ensemble. Et merci aux équipes aussi qu'on accompagné, parce qu'on a entendu aussi ce besoin d'être épaulé, d'être rassuré, d'être conseillé, d'avoir un effet miroir. Et ça, vous avez des ressources, c'est une chance aussi, voilà, on est plusieurs à être là pour vous accompagner, tout simplement pour que petit à petit vous gagniez en autonomie. C'est le but aussi, c'est de pouvoir passer aussi à d'autres entreprises. Et enfin, merci pour cette animation très riche, parce qu'on a vu qu'il y avait des moments plénière, mais on a eu un jeu aussi en plénière, on a eu du terrain, on a eu de l'atelier, on a eu plein de choses qui permettent aussi d'avoir... Moi, je crois beaucoup à l'émotion aussi d'avoir vécu un moment intéressant entre nous, partagé, où on a pu discuter et qu'on va garder aussi dans notre mémoire comme une ressource. Et puis, il y a des ressources qui ont été identifiées pour l'avenir et qui vont s'enrichir, puisqu'il va y avoir un site, en fait, qui va permettre aussi de se raccrocher à plein de ressources. Et merci à tous, voilà, de votre participation.